Écoute, Fred, déjà te féliciter. Je trouve que déjà tout ce que tu as pu mettre en place par rapport à ce match, c'était convaincant. C'était une stratégie très intéressante comme stratégie, mais on sent que l'effort et l'énergie étaient compliqués à la faire à gérer. Oui, oui, on a donné beaucoup trop de fautes d'entrée, donc on a couru après le score. On a rectifié le tir au second quart-temps, même si eux ont des shoots ouverts qu'ils ne mettent pas. Et on loupe le coche au troisième quart-temps, hein, parce qu'on n'échange plus la balle, parce qu'on n'est pas habitué aussi à ces choses-là. Et puis que 42 points, c'est une hérésie, c'est une parodie. Voilà. J'avais fermé ma gueule jusqu'alors, et là je vais l'ouvrir. Bon, l'an prochain, il y aura 7 points de moins, puisqu'ils vont monter avec une équipe comme ça, en département. Ils vont bien sûr gagner un niveau. Et 42 points, c'est une parodie. J'en veux pas du tout à Biscarros, encore moins à Paco qui est un ami intime, qui joue très très bien au basket. Ça remet pas en cause, mais ne pas assimiler cette équipe-là à autre chose, c'est une pantomime. Il n'y a que dans notre sport qu'on voit ça. J'espère que le comité aura légiféré d'ici là, sinon c'est la porte ouverte à pas mal de choses. N'empêche que la fête était belle, il n'y a pas eu de mauvais gestes, et je remercie et félicite, je suis très fier de mes joueurs. Parce que dans ce contexte-là, tu peux très vite disjoncter. Et on l'a pas fait. Tu peux le dire, mais juste je voudrais revenir sur ce dernier carton. Tu as 10 points à la fin. Comment tu sens tes joueurs? Et qu'est-ce que tu peux leur dire à ce moment-là? Est-ce qu'on sentait, on avait vu dans leur visage peut-être beaucoup de flottements et se dire qu'on avait atteint ils avaient atteint le grade, arrivé à 10 points. Et comment ils ont pu le ressentir après toi? Habituellement on met des gros tirs. C'est souvent grâce à l'adresse extérieure qu'on fait des runs. Et qu'on arrive à courir, et là on n'a plus pu courir, on n'a pas mis les quelques tirs qu'on a eu, et bon, eux mettent des gros tirs aussi, ils nous sanctionnent à des endroits où il y a des mismatchs, parce qu'ils jouent très bien au basket, donc à partir de là, il n'y a pas l'ombre d'un regret. À la rigueur, c'est le premier et troisième carton qui nous plombe davantage. Maintenant les gars, ils peuvent se regarder dans une glace demain. On a fait ce qu'on a pu, tactiquement, on a un peu déjoué défensivement. Notamment sur Boris, on avait prévu de le couper, mais tous les ballons sont passés par lui, mais il a une telle science du jeu que bon, voilà, hein, on est à notre place, ils sont à leur, voilà. En tout cas, je peux te dire, tu peux être très fier de tes joueurs, vous avez fait un magnifique match, je peux te le dire, ils ont énormément douté, et continue comme ça parce que vous avez été dans le jeu. Je le suis, merci. Merci. Bon, Florent, l'ambiance des Coupes des Landes, on retrouve ça, tu avais déjà vu un petit peu, je pense, dans ton séjour pas loin. Tu avais connu un petit peu de connaître la sensation des matchs plutôt vers la Chalosse. Qu'est-ce que tu as pensé de ce soir? Comment tu as trouvé le match Côte d'Ivoire et Biscar? Franchement, ça m'a donné envie de rechausser les chaussures. C'est vrai que ça fait longtemps, très longtemps que je ne suis pas revenu ici. Ça me rappelle mon époque et mon passage à Pau avec la Coupe des Landes, avec les cadets. Donc franchement, je suis vraiment content de revenir ici, surtout de vivre un moment comme celui-là. Parce que ça me ramène à des très bons souvenirs et franchement je suis très content pour Boris. Et je rebondis par rapport à Boris, je ne l'ai jamais vu jouer autant. Je pensais qu'il allait jouer 5 minutes, il avait fait quasiment la deuxième mi-temps. Et comment tu trouves son niveau? Bon, Boris c'est toujours Boris. Hein. Après je pense que cette Coupe des Landes vaut plus que pour moi un champion NBA. Je pense qu'il a fait vraiment cette Coupe des Landes un objectif. Et même si je sais qu'il a mal, il aura mal après le match. Il serre les dents parce qu'il a envie de vivre cette aventure avec ses copains. Mais écoute, je te remercie encore. J'espère que tu seras là peut-être pour une demi et pour une finale. Ben sache qu'il y a un événement exceptionnel qui est le 1er juin et la finale de Coupe des Landes en plein cœur des arènes de Mont-Marsan. Mais ce serait bien que tu viennes voir ces moments magiques. Non, je viendrai. Je sais qu'il rejoue le 11 mai, donc c'est prévu dans mon calendrier de revenir ici. En tout cas, Thierry, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Ça fait très longtemps. Moi aussi, très heureux. Merci, c'est important.